Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui étaient là plutôt dans la journée. On va découvrir ensemble Gear 5, ou plutôt Gear of War numéro 5. Alors pour moi c'est une série que je vais découvrir pour la première fois avec vous, étant pas forcément un joueur pur Xbox. Là c'est avec beaucoup de plaisir que donc je vais découvrir cette série qui a déjà connu de très grands succès. Donc on est sur PC, en 4K, la qualité sera au maximum, tout de suite. On commence. Alors avant de commencer, on va se lancer un petit résumé des épisodes précédents, et je vous mettrai également en lien le camp d'entraînement qui nous permet de nous habituer un petit peu au rudiment du jeu. Précédemment dans Gears of War. Avant, on protégeait les camps de la CGU, et là on en attaque un. Les étrangers sont forts pour ça. Lieutenant, ça faisait longtemps. Le village n'a plus d'électricité depuis des semaines. Il nous faut le fabricator. Je me contrefous de ce fabricator. Vous me prenez mes gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais court. La CGU va pas tarder. Vous m'aviez promis que vous voleriez le fabricator sans provoquer Jean. Ça n'a rien à voir avec le fabricator. Alors, vous avez fait quoi? Jean nous a accusés de kidnapper des gens. Je sais pas ce qu'elle racontait. Amenez le fabricator dans la centrale et installez l'inverseur. Jean reviendra, j'espère que tu le sais. Il faut partir, vite! Maman! Kate, écoute, tu dois te cacher et après, tu dois t'enfuir. Écoute, tu sais tout aussi bien que moi, qui peut nous aider? Notre village s'est fait attaquer. Et ma mère s'est fait enlever. Enlever? Pas, je crois que tu devrais regarder ça. Merde. Les gars? Dylan, tu m'as dit que c'était pas la CGU qui comptait. Ouais, mais ça, c'était pas tout à fait vrai. Il faut traverser le fort et atteindre la mine d'osmium abandonnée de l'autre côté. Parce que la CGU y a acheté quelques milliers de cadavres de locustes après la guerre. Alors si votre vermine est liée à toutes ces larves, c'est là-bas qu'on le saura. Papa! Non! On prenne les gens. Et les utilise. Et si on n'arrive pas à les récupérer? Alors? Je suppose qu'on devra se débrouiller seul. Merde! Au moins, on est sûr de savoir d'où il venait. Et on sait où vont les écumes. Mon père est vivant et il est là-dessus, ok? James, dans la cosse, je pouvais voir tout leur réseau. C'est toute leur ruche à la con. Et tout est connecté. Les locustes, ils sont jamais morts, James. Kate, ta mère, est vivante. Où est-elle? Et j'ai vu qu'ils la traitaient pas comme les autres. Pas de cosse. Si vous me libérez, je meurs. Ça va aller. Elle voulait te confier ça. C'était à ma grand-mère. Je l'ai jamais connue. Thank you.
sacrée introduction. Kate n'est pas prête pour ça. Elle peut à peine garder les yeux ouverts. Ne t'en fais pas pour elle. Elle peut le faire. Ok. On est presque aux coordonnées de merde. Bienvenue à Azura. C'était quand la dernière fois que t'as dormi? Cette nuit, environ 8 ou 9 minutes, ouais. Des cauchemars? Ça passera. Tu finiras par t'y faire. Ok, voyons ce qu'on a. Allez, on se prépare pour le largage. Bon, qui est en premier? En tout cas, ce sera pas toi. Del, je vais bien, d'accord? Ouais, c'est ça. Oh, merde. Merci, Del. Sam, on va descendre. Bien reçu. On vous attend ici. Allez, à toutes. Hey, Dave, tu t'amènes? Ok, contrôle, on se déploie. Contrôle? Sérieusement? J'ai un nom. Contrôle. Et visuellement, c'est quand même super joli, hein. Comme ça. Jill peut rien dire si elle est pas au courant. C'est à moi de décider, ok? Si ça plaît pas à la première ministre, elle peut me passer un savon. Ce qu'elle fera sûrement. Dis-nous juste où aller, contrôle. Je vais faire de mon mieux. Centre de recherche abandonné. Dans cette installation depuis 25 ans. Ouais, c'est... Vous n'êtes pas là pour vous promener. Louis Bell, hein. C'est un vieux prototype de rayon de l'eau. Et d'après tes infos, un des silos est intact, c'est ça? Ouais, on dirait. Emmenez Dave dans une salle de contrôle opérationnelle. Il gérera la séquence de lancement. Dave, impulsion. Dave, lumière. N'oubliez pas, il y a un immense cimetière locuste sur cette île. S'il est clos, on sera submergé par la vermine. C'est bon signe. Ouais, mais si on arrive à lancer ces satellites, on pourra cramer la vermine depuis l'espace. Le chef, c'est la voix du papa dans Metro Exodus. Hey, attention! Oh merde! Oh la vache! Eh bien, bah au moins on y voit plus clair comme ça. Comment on est censé explorer un endroit qui s'effondre? Ouais. Et vite! Venez, on peut suivre cette corniche. Le plan de Baird de lancer un satellite d'ici me semble un peu mal foutu. Ouais, Baird est un spécialiste des plans foireux. Comment Baird a su qu'il y avait un satellite du rayon ici? C'est grâce à mon père. Avant de mourir, il a confié quelques-uns des secrets de la CGU à Baird. Et cette île, elle en est truffée. Hé, par ici, ça pourrait servir. Il y a des choses à récupérer.
pas ce qui reste des corps ici. On est vraiment très peu à être venus d'Azura en vie. Il y a quelque chose. Hein. Il y a une. Objet collectionné trouvé. Affiche de promotion du bien-être. Vous comptez, vous êtes le futur de l'humanité. Si vous éprouvez de l'angoisse, des doutes, de la culpabilité, nos conseillers sont à votre écoute 26 heures sur 26. Ça fait 26 heures chez eux. On passe à travers. C'est bon, allons-y. Très bien fait. Faites gaffe, il y a encore des éboulements. Physique du jeu est très bien faite, hein. Oh là, oh là, oh là. Surprise. Dave, envoie une impulsion pour qu'on sache à quoi on a affaire. Ah, les voilà. D'accord. Comment tu veux t'y prendre ? Je m'occupe de lui. C'était pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. C'était pas mal aussi d'avoir un otage. Oh là là, ils vont pouvoir tirer dessus. En haut sur la gauche, flanquez-les. En plan des drones. Ça y est, il y a un peu sa dépouille qui me gêne. Allez, plus qu'un. C'est bon, on les a tous eus. Baird, c'est confirmé. Le cimetière locuste d'Azura est actif. Merde. Ok, le condor reste en l'air. Faites-moi signe si vous avez besoin de renfort. On est tiré d'affaire pour l'instant. Delta terminé. Allez, on doit trouver un de ces silos, en espérant que la vermine ne les ait pas tous détruits. D'accord, on doit trouver le silo. Honnêtement, t'as pas l'air d'aller bien. Je vais survivre. Il y a trop de ruches actives. Partout où on va, c'est un nouveau cimetière. Raison de plus pour réactiver le rayon de l'aube. Espérons que Jean soit du même avis. Oh, il a l'air d'être gros, il est lui. Ah, il y en a d'autres. Bien. Ça, c'est qu'il bouge encore le machin. Aucune clémence. Le nid est détruit.
les a tous eus. Ça a l'air un peu ragoûtant ce truc. Les gars, on est dans un silo. Baird, on a trouvé un des silos, mais il est en ruine. Eh bien, il en reste encore deux, et l'un d'eux est opérationnel. J'espère que t'as raison. On a déjà mis fin à la guerre une fois sur cette île. Quand on aura déployé le satellite, on pourra recommencer. T'as tout compris, mon pote. Terminé. Dave, impulsion. On en est là. Continue. Bon, impossible d'aller tout droit. Qu'est-ce qu'il reste de cette base au juste? On va le découvrir. Prenez à droite, nous on va à gauche. On va trouver ces silos. Ça marche, mais on reste en contact. T'es sûr de ton coup? Il y a deux silos, il y a deux chemins. T'as une meilleure idée? Non, énorme là-haut. Dale, la trappe. Saute. Ça ressemble à un tunnel d'échappement. Mais est-ce qu'il sort du silo? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Enfin, c'est un cauchemar ces dégoûts. Déjà qu'on n'y voit rien. Ils sont passés où? Y'en a d'autres? Allez, on s'arrête pas. Ah non, c'est un bout de jambe, je pensais que je pouvais grimper là-haut. Ils sont nombreux là. Là où c'est important de faire un bon rechargement pour pouvoir retirer rapidement. Dans la section corps d'entraînement, on nous a appris quand on recharge, appuyer sur R au bon moment pour accélérer la recharge. Oula, 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 là j'ai merdé mon rechargement. Oui, il va se faire attaquer mon pote. J'ai plus de balles. Hein. J'ai une autre arme ou pas? Ouais. Waouh! T'es une extrémiste, hein. C'est bon, ils sont tous morts. Maintenant, trouvons un moyen de sortir d'ici. Balle neuve. Pas spécialement changer d'arme. C'est surtout les mines que j'ai besoin. Bien, cette porte nous permettra de sortir. Dave, tu peux l'ouvrir? Eh, tu sais quoi? S'ils veulent transformer cet endroit en ruche, qu'ils le fassent. Une île isolée à des centaines de kilomètres de la côte. Faut juste s'assurer que ça arrive une fois qu'on sera parti. C'est parti! Qu'est-ce qu'on a? Tu parles d'un silo? Arme. Des balles. Passe en dessous. Oh non, on a de la compagnie. Ah,
Les collègues sont là-haut. James, on est au-dessus de vous. Je vous vois. On pourra vous couvrir de là-haut si jamais ça se complique. Et nous juste vous tirer. Alors... Visez ce drone. Cible en vue. Concentrez vos tirs sur ce drone! Nel, on a un nid! Balance une grenade pour le fermer! Il est où le nid là? Ah, il est là, ok. Merde, j'ai plus de grenade ou quoi? Pas de bol. Je crois qu'ils ont tiré une grenade. Encore une. Quoi cette grosse bestiole là? Lance grenade. Ah, c'est pourquoi je peux pas la prendre. C'est pas juste hein. Ouais, trop loin pour une arme comme ça. Cette chose est morte. Voilà. Il avait l'air bien énervé lui. Hein. C'est pas presque à portée que j'ai besoin, moi, c'est à portée tout de suite. Ok, petit, les renforts arrivent. J'ai des gardiens, des DR1, tu veux quoi? Gardien. Envoie-nous des gardiens! Oh là 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 là. Ah, je peux pas fuir là. Olé, 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 olé. Quelle saloperie ce truc hein. Les voilà, enfin. Ouais. Oh bah dis donc, c'est vachement efficace ces petits drones. Ouais. La zone de réaction est maintenant sécurisée. Nous vous remercions pour votre aide. Et contrôle, le transporteur est mort. Merci pour le coup de main. Deadbot, y'en a un qui sécurise la zone et l'autre qui vient avec nous. Allez! Bien reçu. Non, c'est fermé. On va devoir trouver un moyen d'ouvrir.
pas passer par là. Alors, on utilise... Dave, inspecte ce panneau. Vas-y, Pépère, ouvre-nous. Waouh, Delta, vous pouvez me dire ce que Dave a fait? J'ai reçu un tas de données bizarres. Du genre top secret. A priori, il est en train d'ouvrir une porte. Il fait bien plus que ça. En tout cas, la porte est ouverte. Merci, Dave. À propos des données que Dave a téléchargées, une partie des éléments les plus confidentiels a disparu. Ça a un rapport avec notre mission? Non, mais je dois savoir où sont ces infos. J'imagine que ce qui manque a été retiré du réseau. Qui aurait le droit de faire ça? En ce temps-là, uniquement le commandant de l'installation. Trouvez son bureau et jetez un œil. Ok. Wilco? Faut aller par là, bon. J'aime bien aller où on me dit pas d'aller, moi. Ah. Nouvel objet à collectionner, plaque G, CGU, Germor, Azura. Ça se fait pas. Troisième objet, montre bracelet du président. Ici d'aide le président Prescott, on nous a toujours raconté que ce type était un bel enfoiré, mais selon toute vraisemblance, c'est grâce à lui qu'on est toujours là pour se payer le luxe de lui cracher dessus. À l'école militaire, on nous a appris à faire des choix difficiles qui peuvent déterminer la survie ou non de vos compagnons. Et notre cher Prescott a carbonisé toute la planète grâce au rayon de l'aube pour contrecarrer l'invasion locuste. À ce moment-là, les locustes étaient à deux doigts d'exterminer notre espèce. Prescott a sacrifié des millions de vies pour nous faire gagner du temps. Était-ce la bonne décision? Moi, je trouve que c'est pas parce que le choix t'appartient que t'es en droit de le faire. Certains choix nous dépassent. Prends ça. Pistolet. Boltoc. Pistolet compense son recul élevé et son temps de rechargement par sa puissance phénoménale. Oh, le feu d'artifice. Ah merde, c'est moi qui l'ai détruit. Quel con. Putain, elles sont mortelles ces espèces de scie l'équivalence. Oh, je vais faire une bêtise. Cible abattue.
Neutralisé. Ça y est, c'est fini. Maintenant, trouvons ce bureau. C'est censé ressembler à... Del, le bureau du commandant est par là. Mais la porte est fermée. Dave, impulsion. Est-ce qu'il y a un truc où notre petit robot pourrait... Dave, entre dans ce conduit. Va voir où il mène. Bon, Baird veut les données mentales. On est dur avec lui, hein. C'est censé ressembler à quoi? Bon, et ben si on les a extraits du réseau, elles doivent être sur une sorte de disque dur externe. Bien. Bien joué, Dave. Qu'est-ce qu'il est fort, ce petit? On y est, le bureau du commandant. Faisons le tour. Un coffre. Bonne plante pour des... Et voilà. Hé, contrôle, bonne nouvelle. On a trouvé le disque dur. Bien joué, Delta. Hé, vous savez ce qui nous fait plaisir? Des renforts. Quoi? Vous êtes où? Le silo, on l'a trouvé. Et on est encerclés. Ah, merde. On arrive. L'air d'avoir quelque chose ici. Objet à collecter. Schéma de rayon de l'aube de l'Uri. Schéma technique de construction de l'arme orbitale appelée Rayon de l'Aube. Cette arme a jadis scellé le destin des nations et des espèces. Jamais, il y a peut-être des trucs sympas à prendre. Peut-être plutôt faire ça. C'est à moi maintenant. Voilà. On va s'approcher. Merde, tu connais pas? On peut pas vous laisser seul 5 minutes! Ouais, je suis mort de rire! Aidez-nous à faire le ménage! Faut vraiment que j'apprenne à viser avec ce truc, hein. Ça, c'était pas mal. Putain, il a la même! Ça lui a fait mal, hein, le lance-patate là. Olé. Non, bouge pas, j'ai t'aidé à te relever. Je suis occupé. C'est bon, la salle de contrôle est dégagée. C'est sympa d'être venu nous voir. Oh, pas de problème. La fusée est intacte? Elle l'est, on le croit ou non. Bien. Trouvez un port pour que Dave se connecte. Bon, on peut faire le plein. Il avancera le lancement. Non. C'est casse-pied le fait que ce soit la même touche pour toutes les interactions. Voilà, c'est... À toi de jouer. Contrôle, on y est. Tu peux lancer la séquence. Niveau 1 pressurisé. Lancement initié. Erreur. Delta, on a un problème. La trappe du silo, elle s'ouvre pas. Évidemment. Je savais que c'était trop facile. Merde, les options. Tirez-vous, les pans planés vous protégeront pas de l'explosion d'une fusée. Ok, alors on annule. On bouge. Alimentation hydraulique externe activée. Non. On va ouvrir cette trappe. Qu'est-ce que tu dis? Écoute ton père petit, vous pouvez pas rester là! On a accepté la mission, alors on continue! Test de mise à feu.
fois que je te suis comme ça. Ouais, ouais, on dit ça. Allons ouvrir cette trappe. Alors, c'est quoi le plan? Je sais pas. Il doit y avoir des commandes manuelles en haut. Trouvons un moyen de monter. C'est le bazar, hein. J'envoie mon petit copain là-haut. Dave, ça a combien de moteurs une fusée en général? En général, 4. Oh là là. Se dépêche, on se dépêche. On fait le tour, allons-y. Personne. Oh là 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 là. Il dit vite avant que ça se remette à flamber. J'ai trouvé. Waouh. Les rejetons sont partout. C'est quand même impressionnant à niveau action. Wow. Oh. Oh, merde. Allez. Lancement dans 15 secondes. On y va. Vite. Lancement dans 10 secondes. Vite. On n'a pas le temps, allez. On peut pas le laisser quand même. Non. T'avais encore dedans. Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est juste un robot. Mais c'est pas sa faute! 2, 1, je te tiens! Décollage. On aura tout vu. L'air content. Sam, on est prêt pour l'extraction. Voilà, donc fin du premier chapitre, on se retrouvera dans un prochain épisode, ça s'appellera Diplomatie. En tout cas, j'aime beaucoup, c'est très joli, il y a beaucoup d'action. À la suite au prochain épisode, et j'espère vous y retrouver si ça vous a plu.